Hey, bonjour la Digi Family. Aujourd'hui, on va se voir pour faire une vidéo où je vais enlever cet adoucisseur qui a 15-20 ans et je vais mettre un écobulbe. D'accord? Et voilà, on a déjà un bipasse qui est créé, il y a des tuyaux qui m'embêtent un peu de partout et on va voir comment je vais faire. Je vais brancher l'écobulbe, on va faire tous nos tests. Je vais commencer par mesurer le TH de l'eau. Après, on fera le pH et on remplira sur le cahier. Mais de toute façon, comme d'habitude, vous allez tout me voir faire au fur et à mesure. Je commence par mesurer la dureté de l'eau. Bien sûr, j'ai fermé l'adoucisseur qui est défectueux pour ne pas être influencé sur la quantité de TH que j'ai. Alors, on y va. Donc, voilà. 6, 4. Voilà, il a viré au bleu, d'accord. Donc j'ai un TH à 35. On va mesurer maintenant le pH. Voilà. Et après, on allume et on le met. Je ne sais pas si vous voyez. 7,7 pour l'instant. 7,6. Vous voyez? 7,6. Donc, on a un pH à 7,6, ok, et on a une eau dure qui est à 35, d'accord. Et donc on fait ça et ça, et ça sera pour régler la vis micrométrique. Je vous repasse à l'écran. Ça sera pour régler la vis micrométrique de l'injection de CO2. Et cette vis, ça se passera là, où on a ici un bouton où on pourra jouer sur l'ouverture du passage des CO2. D'accord. Et dans l'écobulbe, dans le modèle essentiel, vous allez avoir tout ça. Donc vous aurez les papiers avec la garantie, tout ça, l'écobulbe. Ça, c'est à moi. Vous aurez l'injection avec le manomètre, vous aurez un compteur, vous aurez une bouteille avec un filtre et un réducteur de pression. Alors sur cette installation, vous allez voir qu'il y a déjà deux filtres. D'accord ? Ça, c'est les filtres du forage. Ce filtre du CO2, du point de l'écobulbe, il servira de filtre et il sert aussi de bouteille mélangeuse pour que l'eau soit bien mélangée avec, avec le CO2. Donc, je vais le mettre aussi, ok. Et quand il est sale, ben, ça va filtrer un peu les trucs. On recharge les filtres, on met un truc à 20 microns et c'est fini. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Arrêtez de blablater. On va lever cet adoucisseur. On va voir la place que j'ai pour faire l'installation. Et au boulot! Allez, je vais démonter l'adoucisseur. Sur les gants. Et au boulot. C'est la reprise, donc je vais... On va se remotiver et on va se discipliner pour repartir sur une année complète après les vacances. Alors là, j'ai fermé les vannes, donc logiquement, je vais avoir 4 gouttes qui vont tomber, mais j'ai plus d'eau. Bon, les peignes sont rouges. Donc mon arrivée d'eau, donc on a le forage qui est ici, ça vient ici, ça c'est mon arrivée d'eau, on traitera et on partira ici pour alimenter le cumulus et pour alimenter toute la maison. D'accord? Arrivée, traitement, et barre.
je suis en train de faire mon installation à blanc. Donc, comme vous voyez, je sors de l'eau, réducteur de pression, écobulle, compteur, bouteille mélangeuse. Et là, je vais faire une forme un peu comme ça pour sortir tout droit, pour rentrer dans l'installation. Hein, c'est mon installation à blanc, là, comme ça, après, je fais toute l'étanchéité et je sortirai tout à fait. J'ai fait une connerie. J'ai fait un petit chapeau de gendarme. Je voulais pas filmer. Faut que je fasse une vidéo sur là-dessus. Donc moi, je me base sur l'axe du tuyau. Et je voulais pas filmer. Désolé. Et allez, regardez. Donc, ça va donner ça. Ça. Et ça. Et vous voyez. J'ai mon chapeau de gendarme qui tombe. Ton petit poil, alors après on va ajuster un peu tout ça là pour que ça tombe un peu droit. Ok, et donc je me suis fait un chapeau de gendarme ici. Promis, la prochaine fois je vous le filme. Alors on va voir, on va refaire un petit coin. Arrivée d'eau, machin, réducteur de pression, cobule, compteur, bouteille mélangeuse, et on repart sur l'installation. Il me manque quoi? Brancher mon pote où il va y avoir tous les raccords, alors je ne sais pas où je vais la mettre, on va voir. Et après, l'électricité qui sera derrière ce cumulus. On continue. Et on va mettre ça. Voilà. On est le lendemain. Les aléas de métier ont fait que j'ai pas pu finir hier. Donc on va le finir aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais démonter tout ça. Je vais faire l'étanchéité. On branche l'électricité, on branche la bouteille. Je vous montre et c'est fini. D'accord? Allez, je défais tout ça on fait l'étanchéité. Et là, je change de machine. Ouais. Pourquoi? Parce que la plupart des mâchoires que vous allez avoir, ça sera du TH. Ok? Et là, c'est des raccords Uponor que j'avais dans le camion, donc il faut bien que je les fasse. Et c'est des mâchoires en U. Ok? Donc, j'ai pas de batterie. Il faut charger la batterie. Je vous explique après la différence entre les mâchoires TH et les mâchoires en U. Bon, ben, le temps que la batterie charge, on ne reste pas sans rien faire sur le chantier. D'accord? Vous allez voir, on va faire le branchement électrique. Ça va se passer ici. Alors.
Et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Allez, lâche-moi. Donc, on se retrouve avec un peigne comme ça, d'accord ? Où il y a marqué PP, E plus au moins, E plus moins, tout ça. Et sur les raccords qu'on va mettre, si je prends celui-là par exemple, on va juste le défaire un petit peu. Et là, si vous voulez, il y a marqué CC. D'accord ? Donc, on prend la connexion et on vient le connecter sur le CC. Voilà. J'ai le courant qui est là. J'aurai aussi ce que je vais mettre sur la bouteille. Pareil, on a une petite connexion. Je vais vous montrer. Et donc, on a PP. D'accord ? Et on vient donc raccorder sur la connexion PP. C'est marqué dessus. OK ? Et on fait comme ça à toutes les connexions et après on rentre. Donc là, j'ai le 220. Je vais le défaire celui-là parce que celui-là, il faut que je le passe derrière le cumulus. Donc celui-là, on le défait complet. Et donc là, il y a marqué plus et moins. On vient sur le plus et moins. D'accord ? Et il me manque plus que le E moins et le plus. Le E moins et le plus, c'est celui-là qui commande l'électrovanne. D'accord ? On en fait comme ça. Après, je mettrai bien les câbles. Et on se retrouve avec E moins et E plus. Vous voyez ? Et j'ai toutes les lettres, toutes les connexions qui correspondent. J'ai plus qu'à remettre ça propre, refermer la boîte et ajouter les longueurs de câble. Alors, je vais vous expliquer la différence de mâchoire. Alors, 90% du temps, vous aurez du TH. Et l'autre mâchoire, c'est même pas cette mâchoire. Elle est où la machine travailleuse ? Bougez pas. Pourquoi il y a différentes mâchoires ? Si vous voulez, à l'intérieur de ça, voilà, je vous montre comme ça, c'est différent de ça. Attendez, je me calme. Voilà, vous voyez, les empreintes à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est le TH, avec une empreinte où on a l'épaisseur qui est différente, et ça, c'est du U, avec les empreintes qui sont différentes. Qu'est-ce qui se passe au niveau des raccords ? Au niveau des raccords, là, par exemple, sur le pont nord, on a les joints qui ne sont pas au même endroit. Donc c'est pour ça qu'on a les empreintes différentes, où quand on vient sortir, la partie métallique vient se comprimer aux endroits où on a les rainures. D'accord ? Voilà, c'est le téléphone du client. Et sur les trucs en TH, ben c'est pareil, les joints ne sont pas positionnés au même endroit, et donc mon empreinte, quand elle vient sortir ici, les creux que ça fait sur le raccord, ça veut dire qu'on est venu comprimer le joint. Alors, si vous mettez du TH sur du U, ça ne va pas le faire. D'accord ? Donc, on essaye d'utiliser les bonnes mâchoires, TH ou U, TH pour normal, U pour le pont nord, V pour le cuivre. Et si vous n'avez que du TH, bien chez les fournisseurs, achetez les raccords en TH. Ne vous compliquez pas la vie. D'accord ? Voilà. Mais tout ça, à la rigueur, je pourrais vous... Vous savez, il va y avoir le salon du bâtiment. Donc, je vais être sur le stand de Ecobulle. Ok ? Je serai soit le mardi, soit le mercredi. Tout ça, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc, à la rigueur, je vais vous mettre mon Instagram ici. Je vous mets le QR code. Et je vous mettrai un lien dans la description. Et ici, là, je vous fais apparaître un bon... ou un code, un numéro. Si vous allez sur le stand de Batimat, vous tapez ce truc et vous aurez votre invitation gratuite. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous dirai si je suis le mardi ou le mercredi. Et passez me voir sur le stand Ecobulle si vous avez des questions. Et comme ça, on pourra répondre à vos questions. Si moi, je ne sais pas, il y aura les gens d'Ecobulle qui seront sur place. Et on pourra discuter, boire un café, boire un verre d'eau, voilà. N'hésitez pas à venir me voir. Ça sera avec le plus grand plaisir.
Maintenant que j'ai tout fait ici, regardez, on va rester en ligne. Je vais ouvrir et on va voir si ça fuit. Voilà, on voit bien la bouteille se remplir. Pour l'instant, j'ai pas de fuite. Je vais ouvrir l'autre. Voilà, on entend l'eau passer et je vais fermer le bypass pour être sûr que ça passe comme ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant ? C'est raccorder la bouteille, jouer avec les pressions, mais je vais vous montrer. Et après, ben, on branche l'électricité et on met un autre. Pas de fuite. Ici, que dalle, la que dalle, la que dalle, la que dalle. Voilà. Pas de fuite. On a souvent un petit raccord qui fuit, un truc qu'on a pas assez serré et tout ça. Allez, je pose la bouteille. On va mettre la chaussette, il faut mieux mettre une chaussette. Comme ça, ça fait le style. Allez. Ça fait joli. Ok. Et on prend notre raccord, on a un manomètre. Et le truc, c'est attendu que bien le joint. Et on vient visser ça tranquillement dessus. Ok. Et quand on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Le petit tuyau qui va venir ici. Et qui va venir ici. Mais vous allez voir, c'est juste emboîté. Donc on va le mettre un peu comme ça sur le côté là. Et on va mettre ce petit tuyau qui va là. C'est livré avec une grande longueur de tuyau, bien sûr, vous l'adaptez à votre truc. Hein. Donc on prend, on emboîte, voilà, et on prend le bout de tuyau et on emboîte. Voilà. Il ne reste plus qu'à ouvrir. Voilà. Voilà. Ok, donc je mets un bar de moins. Ouais, pardon. Je mets un bar de plus sur la bouteille pour que l'air. Pour que le gaz puisse rentrer dedans, mais je pense que vous avez compris. Ok. Eh bien, j'ai plus qu'à brancher le courant et après régler la vis micrométrée qui était ici. Rappelez-vous, en début de vidéo, on avait déterminé 5,5. Alors, 5,5, c'est le réglage sur le papier. On va mesurer le pH et après on ajustera s'il faut 6, s'il faut 4. C'est le pH qui va me le dire. Allez, je branche ça et on est en route. 6,8. Ok, bon, forcément, je la laisse, ça remonte. Donc 6,8. Alors 6,8, c'est très bien. Comment ça marche ce truc de pH? Je vais vous dire un peu ce que je sais moi. Le calcaire, l'adoucisseur qu'on a enlevé, il va travailler sur le TH, sur la dureté de l'eau. D'accord ? Le pH, on va jouer sur l'acidité de l'eau. Donc, la frontière, c'est 7. Au-dessus, on est basique. Et en dessous, on est acide. D'accord ? Le réglage que j'ai fait, j'ai mis 6,8 parce que sur le bouquin des cobules, quand on installe, on peut installer le régler pour qu'il soit à 6,9 en préventif ou à 6,8 en curatif. En gros, le pH, à quoi ça sert ? C'est l'eau qui devient acide. Vous prenez un verre où il y a du calcaire, vous versez de l'acide chlorhydrique dedans, ça va faire de la mousse, et l'acide chlorhydrique va grignoter le calcaire et le dissoudre. D'accord ? Je ne connais pas le pH de l'acide chlorhydrique, mais on va dire qu'il est à zéro. Donc quand il est à zéro, que je mets de l'acide chlorhydrique dans le verre, le calcaire disparaît. D'accord ? Et là, en se mettant légèrement en dessous de 7, on vient éviter que le calcaire se dépose et qu'il soit fixant. Donc si vous en avez dans votre évier, un petit coup d'éponge et ça disparaît. Et on nettoie au fur et à mesure, dans 6 mois, un an et demi, eh ben, l'acidité de l'eau va venir nettoyer les tuyaux. Okay? Mais comme je vous dis, tout ça, on pourra en discuter si vous venez à Batimat et vous aurez un peu plus d'explications. En gros, ce que j'ai fait,
j'ai réglé mon manomètre, j'ai réglé ma vis micrométrique ici, et j'ai fait en sorte que le réglage arrive à 6-8. D'accord ? Alors ça, vous le trouvez sur Amazon, sur Internet, pardon, je vous mettrai un lien. Ça vaut que dalle, ça vaut que dalle, et au moins vous pourrez faire un bon relevé de pH. Quoi vous dire de plus? Tout ce que je vous ai dit, de toute façon, je vous mets dans la description le lien des cobules, je vous mets un tas de liens dans la description, vous irez voir si vous avez envie. Vous voyez, faire, hein, voilà, l'installation ici, voilà, si on veut intervenir, on fait comme ça, on touche les vannes et on peut intervenir sans couper l'eau spécialement au client. J'ai rangé un peu mes tuyaux, mes câbles. Bon. Après, on est dans une buanderie ici, une grosse maison, donc c'est pas très grave. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas que moi, je suis artisan à Vannes et YouTubeur. Donc, mon travail, c'est de faire des installations chez les clients. D'accord? J'ai envie de vous dire, ciao, bye bye. On se voit si vous venez à Batimat. Vous aurez tous les liens, vous aurez tout dans la description. Ciao, bye bye.